rendez-vous de retour pour une nouvelle vidéo que je tiens à vous partager. Mais cette vidéo, elle sera faite en créole, puisque pas mal de mes abonnés m'ont demandé de faire une vidéo de recette en créole. Du coup, c'est un challenge que je tiens à relever. Alors, c'est pour cela que je partage cette recette en créole. Et pour ceux qui ne comprennent pas, ne vous inquiétez pas, je mettrai en description les détails de la recette en français. Voilà, bonjour Loulou Mwayo, comment nous y est? Jeudi à me poter une nouvelle recette pour nous en créole. Et recette là, c'est ricoler pois d'Angole, m'a partagé nos recettes là. Restez et puis moi, et surtout pas oublier, abonner dans Chanel là, partager Chanel là, et puis commenter aussi. Allez, c'est parti pour recette là. Voilà, là maintenant, pour commencer recette là, m'a plimé dit faire en bas chaudière, en bas casserole là. Et maintenant, au fond casserole là, m'a metté l'huile moins. Ensuite, m'a metté des cuillères épices moulues. Voilà. Épices moulues, si nous besoin épices moulues, dans le lien en haut vidéo, vous mettez recette là pour nous. Voilà, mettez épices là, la donne. Voilà, une fois épices là, la donne, m'a laissé le cuit en petit bout. Faut épice là bien frit, faut le pas frit pour le vin noir. Faut le frit pour toute épice là vin en bout jaune. Faut le pas noirci, hein. Voilà, une fois maintenant épices là, vous voyez, maintenant il change de couleur, il devient un peu jaune. Et maintenant, m'a ajouté un petit crevette séchée la donne. Et me tourne, me fait même bagaille. Fini, maintenant mettez pois d'Angole là. Voilà, et mélangez tout. Voilà, bien mélanger. Même fin mélanger là, m'a mettre un bout de poivre. Mettez un peu sel. Mettez dès qu'il est bouillon poulet, volaille. Et maintenant, mettez des trois feuilles laurier et des trois branches thym. Et maintenant, on va mélanger tout ça. Voilà. Une fois tout ça mélangé, maintenant, on va le rajouter en bout de l'eau. On va mettre de l'eau là-dedans, fait pois d'Angole là, mijoter sans de l'eau pendant 5 minutes pour le cuire
en bout. Une fois les cuites, pas cuite complètement, hein, parce qu'après, l'aime qui mettait du riz pour ne pas craser. Et maintenant, on rajoute de l'eau là-dedans. Voilà. Et maintenant, l'aime fin mettre de l'eau. M'a laissé toute préparation bouillie avant de mettre du riz. Voilà. Là, ma bouteille. Pour moi, ça lui manquait. Moi, elle pas manqué en rien. Si là, nous goûter de l'eau, nous, elle manquait un petit sel, un petit poivre. Pas hésiter, mettez assaisonnement nous dans le goût nous. Il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup de sel. Alors, c'est eux-mêmes qui ont dosé le sel selon le goût. Voilà. Et maintenant, je vais laisser de l'eau à bouillir. On va mettre du riz. Il ne faut pas oublier aussi de mettre un petit piment là-dedans. Laissez le piment bouillir là-dedans. Et faites attention pour le piment ne pas péter. Et piment, les facultatifs, ou pas obligé de mettre piment parce que il y a des gens qui ne mangent pas piment, qui paient piment aussi. Alors, piment, ou pas obligé de mettre là-dedans. Mais là, mettez un petit piment, non diricolé, les parfumés diria, les ballons goût, pas ça comment pour m'expliquer nous, mais le ballon, moi le ballon, l'autre l'odeur. L'odeur senti bon. Voilà, maintenant, une fois l'eau a bien bouilli, maintenant, on peut laver du riz pour mettre là-dedans. Voilà, je finis de laver du riz maintenant. Je vide dans de l'eau qui bouille. Et maintenant, je vais mélanger du riz et du poivre. Voilà. Voilà. Une fois tout ça mélangé, je vais laisser maintenant du riz à toute gloire sec. Regardez maintenant, nous, ouais, du riz a commencé sec. Voilà. Ma tunnel, ma boisselle. Ouais, nous, ouais, ma boisselle en manière pour piment pas péter la donne. Une fois, ouais, elle est bien sec comme ça. Ma baisse du feu tout petit et me poil tout fait. Là, ma baisse du feu tout petit. Maintenant, une fois mon fin baisse du feu bien petit, ma couvelle, une couvelle. Et maintenant, ma place est cuite pendant au moins 10-15 minutes. Maintenant, 15 minutes après, maintenant, on va le vérifier si Jiri a bien cuite. Et ma boisselle. Oui,
Regardez comment diria belle. Voilà, ouais, là, liquide. Ouais, mais diri poids d'angole là, mais recette là, télépartager nous. Hein? Là, je vais faire attention côté piment passé, mais lila, ma petite piment pour ne pas craser la dame. Mettez-le de côté. Voilà. Et là, maintenant, je vais tirer branche taillot. Voilà. Gardez, mes amis, gardez mes belles bagailles. Là, nous pouvons bien manger. Diri ça, nous n'avons mangé les pieds. Soyons cochon roussi. Ou bien, recette cochon roussi, hein, te fait déjà en les chaînes, non? M'a mette le lien en haut pour nous. Comme ça, nous pouvons ouais, recette là. Mes recettes poids d'angole là, télépartagez nous. Dis-moi en commentaire ça nous pensez dire recette là. Et toujours qu'à dire nous, pas oublier commenter recette là, partager pour vous en minou. Et si nous pas abonné dans la chaîne là, abonnez parce que là nous pas décider pour toute recette m'a partager pour nous. Voilà. Et me fait nous gros bisous et prochaine fois pour l'autre vidéo. Bisous loulou miou.